aurez l'occasion de connaître un personnage qui a marqué l'histoire de l'Afrique, le premier président de la République togolaise, que je trouve très inspirant, que je trouve qu'on doit apprendre certaines choses de lui si nous voulons impacter notre continent. Je sais aussi que c'est un personnage pas très public. On le connaît certes, mais il n'est pas aussi élevé au grade comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, qui se sont battus pour les pays, pour la liberté de leur pays. Donc aujourd'hui, je voudrais lui rendre hommage à travers cette vidéo. J'espère que vous allez regarder jusqu'à la fin parce que les derniers conseils seront vraiment très, très, très importants si nous, la jeunesse africaine, voulons développer notre continent. Donc, à tout à l'heure après le générique. Amis, nous voilà de retour. Comme annoncé dans l'introduction, on va parler aujourd'hui de Sylvanus Olympio, comme vous avez bien pu le voir aussi dans le titre et dans la miniature. Aujourd'hui, avant de commencer le reportage, avant de vous montrer d'abord comment est-ce qu'il a vécu, il y a un reportage que je vais vous montrer avant de commencer à vous expliquer. Mais pour les nouveaux, je vous demanderai de vous abonner, de liker, de surtout partager cette vidéo pour qu'elle puisse faire le tour de l'Afrique, pour que beaucoup de personnes puissent être informées, puissent savoir prendre des précautions pour qu'on puisse changer les choses. Donc, je vous laisse d'abord avec le reportage, c'est pas une interview, mais le reportage, et on se retrouve après pour pouvoir décrypter tout ça. Le 27 avril 1960, le Togo français accède à l'indépendance. Sylvanus Olympio, chef du gouvernement autonome depuis les élections supervisées par l'ONU 2 ans auparavant, devient le président de la nouvelle République. À la tête du comité de l'unité togolaise, il avait mené le combat pour la réunification et l'émancipation de l'ancienne colonie allemande sous tutelle partagée des Français et des Britanniques depuis la Première Guerre mondiale. L'Allemagne avait colonisé cette région de l'Afrique de l'Ouest dans la seconde moitié du 19e siècle en négociant des protectorats avec les chefs de la côte. Lors de la conférence de Berlin qui consacre le partage de l'Afrique en 1885, elle fait reconnaître sa colonie sous le nom de Togoland et entreprend de l'exploiter. Mais 20 ans plus tard, avec quelques centaines de colons, la présence allemande dans le pays reste toujours faible. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, le Togoland est rapidement envahi par les Britanniques depuis la Côte d'Or à l'ouest et par les Français depuis le Dahomey à l'est. Les Allemands capitulent dès août 1914 et sont expulsés. La colonie est occupée conjointement par la France et la Grande-Bretagne. Après la guerre, la Société des Nations attribue un mandat sur la partie ouest aux Britanniques et sur la partie est avec la capitale Lomé aux Français. Bien que les deux parties du Togoland devaient être administrées dans la perspective d'une réunification, les Français et les Britanniques incorporent les mandats dans leurs sphères coloniales respectives. La France intègre le Togo dans l'Afrique occidentale française, tandis que les Britanniques font de leur partie une province de la Côte d'Or. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies réaffirment la tutelle internationale sur le Togo face aux puissances coloniales. Le Togo français est détaché de l'AOF et obtient sa propre représentation au Parlement français, sous la pression du groupe ethnique des Ewe et du Comité de l'unité togolaise. Alors que l'aspiration à l'indépendance des colonies se fait pressante, la question de la réunification des parties britanniques et françaises domine le débat politique au Togo. Mais en 1956, le Togo britannique opte lors d'un référendum pour son intégration au Ghana, l'ancienne Côte d'Or sur le point d'obtenir son indépendance. Pendant ce temps, au Togo français élevé au rang de république autonome en dépit des objections de l'ONU, l'administration coloniale s'efforce encore de promouvoir les candidats en faveur d'une politique d'intégration dans l'Union française. Mais la victoire du comité de l'unité togolaise aux élections de février 1958 condamne définitivement le maintien de la France. Sylvanus Olympio est chargé de former un gouvernement et 6 mois plus tard, la levée de la tutelle par les Nations Unies ouvre la voie à une indépendance complète du pays. La présidence de Sylvanus Olympio sera de courte durée. En janvier 1963, moins de 3 ans après l'indépendance, alors que le chef de l'État refuse l'intégration dans l'armée des anciens militaires engagés volontaires des campagnes d'Algérie et du Vietnam et s'apprête à abandonner le franc CFA, il est assassiné lors d'un coup d'État mené par Étienne Eyadema et les demi-soldes. L'ancien Premier ministre Nicolas Grunitzky, favorable au rapprochement avec la France, lui succède, mais 4 ans plus tard, il est à son tour déposé par Eyadema, qui s'installe au pouvoir et impose sa dictature pour 4 décennies. Dans ce reportage, c'est un reportage qui provoque de la colère, de la détermination,
Beaucoup d'autres sentiments mitigés. Quand j'ai fini de regarder ce reportage, je me suis sentie plus motivée pour pouvoir faire des choses pour changer notre continent. Il a été assassiné par quelqu'un qu'ils ont dit Eyadema, son successeur, lui qui l'a succédé après, l'autre président qui est venu après. C'est un personnage, Sylvanus Olympio. C'est un personnage que mon papa me parlait beaucoup de lui. Nous, après, je parlais de lui. Parce que bon, c'est le premier président du Togo. Comme vous le savez, je suis togolaise. Mes parents viennent du Togo. Mais je suis née en Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc, mon papa m'a beaucoup parlé de lui, de sa force, de sa détermination, de sa volonté à vouloir libérer l'Afrique. Faudrait que. Pourquoi est-ce que j'ai décidé qu'on parle de lui nécessairement? C'est pour qu'on puisse savoir, qu'on puisse faire attention. Parce que moi, je pense que le fait qu'ils aient posé directement ces actes-là, le fait qu'ils se soient prononcés, parce que j'ai lu avant de commencer cette vidéo quelque part, qu'il avait annoncé ouvertement qu'il voulait tout faire de son possible pour ne pas avoir à traiter avec la France, pour se délier de la France. La France, elle voit que ses intérêts sont menacés, donc il faudrait éliminer ce gars-là pour ne pas qu'il contamine toutes les autres personnes. Donc, ce qui a été fait et dans son innocence, dans sa naïveté, il a cru que les États-Unis étaient autres que la France, c'était un État autre que la France. Alors, il ne savait pas que c'était tout un système qui englobait. Moi, je pense que ils ont eu à faire des fautes. Nous, la nouvelle génération, devons apprendre leurs fautes pour pouvoir faire les choses bien. C'est bien qu'ils aient été les martyrs. S'il n'y avait pas eu ces exemples-là, je pense que nous, la nouvelle génération aussi, nous aussi, on aurait commis ces mêmes fautes. Quand tu annonces que oui, la France, non, 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 éliminée, quoi, quoi, quoi. Déjà, ils vont se dire, bon, tu es notre ennemi et on ne fait plus rien avec toi. Et c'est clair, et il y a une croix rouge sur ton front, qu'on va t'assassiner au fil, tout à coup. Mais moi, je pense que la meilleure façon de pouvoir maintenir notre liberté, pouvoir réussir à activer notre liberté, si vous voulez aller en politique, si vous voulez faire de la politique, je vous incite d'abord à être discret avec vos projets de on enlève la France, tout, tout, tout. Ne parlez pas en premier, ne mettez pas ça en avant-garde parce que vous allez être l'ennemi des puissances internationales du premier coup, parce que ce sont elles qui régissent nos pays, ce sont elles qui tiennent nos pays encore, parce que nos pays n'ont pas été indépendants réellement, vu qu'on a bien vu que les présidents qui sont restés jusqu'à la fin, qui ont pu vivre jusqu'à la fin, ils ont été dans l'intérêt de la France. Donc, comme on le voit, c'est pas nos présidents, les présidents qui sont dans l'intérêt de la France, qui restent donc pas dans l'intérêt des peuples africains. Donc, si on veut vraiment apprendre, il ne faudrait pas que si tu as une intention de ce type, une intention politique, une intention de libérer l'Afrique, il ne faudrait pas que tu l'écris sur tous les toits. Il faudrait d'abord créer des comités de réflexion, beaucoup de personnes qui aient la même idéologie que toi, de la discrétion, et ça va aller. Parce que moi, prochainement, on va aller sur Rawlings, Jim Rawlings, parce que je me demande bien comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir activer, pour pouvoir réussir ce qu'il a eu à faire. Je sais certes qu'il a eu à faire des coups d'État. Et aussi que l'Angleterre n'était pas trop impliquée comme la France dans les affaires internes du Ghana. Mais quand même, il a quand même été, je crois, un peu plus discret dans ce qu'il a voulu faire. Donc, il faudrait la discrétion, c'est un point important qu'on doit cultiver. Par exemple, si tu as un projet, il faut d'abord être discret dans les débuts. Maintenant, après, quand tout est concrétisé, que tu as une bonne équipe, là, tu te lances d'abord. Parce que autour de toi, essaie de voir les personnes qui sont autour de toi. Mais d'abord, discrétion. Parce qu'on ne sait jamais qui t'entoure. Comme Thomas Sankara, son meilleur ami, c'est lui qui l'a tué, blesse en parole. Parce qu'il ne se connaissait pas vraiment les intentions du gars, de son ami. On peut penser qu'on connaît une personne, mais on ne peut jamais être sûr à 100%. Donc la discrétion doit être un point fort que vous devez mettre. Pas la méfiance, la discrétion. Enfin, si vous avez un projet, même politique ou entrepreneurial, la direction, parce que on parle, j'introduis directement le point de l'entrepreneuriat, parce que nous, population civile, le moyen que nous allons utiliser pour libérer l'Afrique, c'est l'entrepreneuriat. Ceux qui ne sont pas intéressés par la politique, je vous incite à entreprendre, à faire des choses, à créer, parce que si nous sommes dans la création, nous allons pouvoir nous passer des multinationales qui remplissent nos pays, parce que nous savons très bien que depuis les indépendances, on n'a pas eu à créer autant d'entreprises pour qu'on puisse être autonome économiquement.
La plupart des entreprises qui sont là sont des multinationales. Elles sont à l'étranger, tout le capital retourne chez eux. Elles offrent de l'emploi parce qu'elles offrent beaucoup d'emplois aux gens, mais ça ne suffit pas vu que l'argent n'est pas réinvesti dans l'économie locale. Donc déjà, entreprendre, ayez nourrissez cette idée profonde. En tout cas, moi, je vous encourage, nous, la nouvelle génération, à entreprendre. N'essayons pas d'essayer d'aller chercher à travailler dans une entreprise parce que ça... Dans quelle entreprise, au fait? Faudrait qu'on apprenne. Déjà, si tu es une idée d'entrepreneuriat, essaie d'aller te former dans les meilleurs coins possibles. Là, tu commences à entreprendre pour mener ton idée à bon escient. Ça, je t'encourage à le faire. Te former tant dans le canevas dans lequel tu veux aller. Te former et entreprendre. Quand on se lance en entrepreneuriat, c'est ce qui va nous libérer, ce qui va libérer de l'Afrique. Tout le monde ne peut pas entreprendre, mais si la majeure partie des gens entreprennent, on sera déjà libéré économiquement. Parce que le pouvoir de l'économie pèsera sur le politique et on pourra enlever les personnes qu'on ne veut pas avoir à la tête de nos États. Et c'est sur quoi nous aussi, on aura le pouvoir de pouvoir décider de ce qui va nous aider. Donc, la force qu'on aura, ce sera la décision, la force de pouvoir décider, de pouvoir décisionner qu'on pourra avoir aussi grâce à l'économie qu'on pourra mettre en place pour que les choses puissent changer, quoi. Donc, en tout cas, c'est le conseil que j'aimerais vous donner à travers ça. C'est un reportage, c'est triste, mais ça envoie à réfléchir pour qu'on puisse être plus déterminé pour pouvoir changer les choses, plus déterminé, plus motivé au plus profond de nos êtres, pour pouvoir élever la mémoire de nos ancêtres qui ont été tués, martyrisés, parce qu'ils étaient tout simplement, parce qu'il y avait des gens qui avaient faim et qui voulaient juste manger. Donc, détermination, motivation, n'hésitez pas à vous être toujours inspiré, restez toujours dans ce canevas-là. Remplir l'idée de oui, on va créer de la richesse, on va créer de la richesse. Tout ce qui ne fonctionne pas, voyez ça comme des opportunités. Tous les problèmes que tu dis, oh non, oh merde, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas comme ça? Là que tu as ton idée de business, par exemple, c'est comme ça que la plupart des grands, des plus riches, ont pu être riches vu qu'ils ont remarqué un problème donné. Et ils ont dit, bingo, bon, moi, et si je faisais ça comme ça, l'avion, et si on arrivait à partir plus vite, se déplacer d'un point A à un point B sans prendre l'eau et prendre l'air. Tout le monde rêvait d'aller dans l'air et il y a des gens qui ont pensé et ils sont arrivés. Donc, tout dépend de toi. On compte sur toi. Passons à l'action, les amis. Si tu veux faire dans le politique, forme-toi. Économique, forme-toi. En tout cas, ce sont les deux points sur lesquels on doit peser. Évitons de rester pensée trop salariale. Certes, on peut commencer par le salariat, mais allez, fonçons. Allons à l'action. Pouvoir laver la mémoire de nos ancêtres, de personnes qui ont lutté, qui veulent lutter pour la liberté de l'Afrique. En tout cas, moi, je suis pour ça. Donc, n'hésite pas à me donner dans les commentaires ton avis face au reportage qu'on a regardé là. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!